Je ne sais pas ce que vous vendez, mais avec ça, vous en vendrez davantage. D'ailleurs, ça ne sert à rien de discuter. Maurice, le petit va vous emmener faire un tour avec. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire essayer la bucasse, monsieur. Emmène-le au bois. J'ai pas le temps, je suis pressé. T'as pas tant que nous, figure-toi. Allez, hop! Bon, ouais. Du lac des Cygnes, c'est tout. Pour la deuxième partie, oui. Le lac des Cygnes est en ce moment l'opéra, ça ne vous gêne pas? Je l'ai vu, mais il est dansé. Comment dirais-je en français? D'une façon charmante, d'ailleurs. Non, merci. Avec les administratifs et les techniques, ça ne fera pas plus de 50 personnes. Plutôt moins. Parfait. Je vous remercie. Je vous rappelle. Dès que vous pouvez me fixer la date exacte. Faites mes amitiés à notre ami Julien. Il n'y manque pas. Vous avez vu Irkoutsk? Oui. C'est mauvais, n'est-ce pas? Je suis ici en territoire soviétique. Je vous promets qu'il ne vous arrivera rien. En 1928, le théâtre Vakhtangov, c'était l'avant-garde. Depuis... Je vous remercie, c'est ce que je voulais savoir. J'ai tout fait pour qu'on ne présente pas cette pièce à Paris. Oh, ce n'est pas dramatique. C'est ce qui me navre. Passons le principe face paupière, Bellini. Да? Я как раз собирался вам позвонить, товарищ посол. Данная работа затянулась дальше, чем я предвидел. Я предпочитал бы передать ее вам завтра после обеда. Да, как можно раньше. Спасибо. Будьте уверены, товарищ посол. Au revoir, madame. Au revoir. Celle-là, on croirait vraiment qu'elle attend l'heure de la fermeture pour arriver. Oui, mais elle traverse tous les Atlantiques pour nous acheter 3 chemisiers. Ça mérite un peu d'indulgence. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Jacques. Au revoir, mon chou. À demain.
Et la bise, non? Oh, pardon. Salut Gaston. J'ai l'air d'un naufragé. C'est un peu ça, non? Nikita! Super. Bonjour, ma jolie. Je suis à vous tout de suite, hein? Bonjour, ma chérie. C'est vrai qu'il s'appelle Nikita? Aussi vrai que je m'appelle Charles. Dis donc, Bernard, le type pour la Chevrolet, tu l'as pas revu? Ben non. Dommage pour lui, c'était une occasion. Tu ne dois pas imaginer ce que c'est de se sentir différent. Tout devient un peu mystérieux. Ces gens, par exemple, ici, je me demande de quoi ils parlent, à quoi ils pensent. Ils parlent de rien, tu sais. Mais pour ce qui est de penser... Juste 50 sacs, je te les rends demain soir, c'est pas terrible, 50 sacs. Dommage que je les ai pas, ça m'aurait fait plaisir de te les refuser. Oh bon, ça va, laisse tomber, c'était pour pas passer chez mon père, c'est tout. Ah, parce qu'il a un père. Tu connais pas le proverbe arabe? Mon père était marchand de poussière. Il a été ruiné par un coup de vent. Tu sais, je suis quand même libre d'aller où je veux. Mais ils savent toujours où tu vas. Si ça les intéresse, ils le savent, oui. Pourquoi? Tu ne crois pas que nous sommes imprudents? Comment sont-ils avec toi? Ennuyeux, comme tous les gens importants dans tous les bureaux du monde, j'imagine. Comment as-tu fini de me parler d'eux? Tu es inquiète? Non. Alors, Nikita? Alcool capitaliste, jolie fille capitaliste. Toi, mon petit vieux, si tu continues à aimer tout ça, tu finiras en Sibérie. Oh, ah, mmh. C'est à toi, tout ça. Tu m'appelles dès que tu as les clichés, hein. T'inquiète pas, mon petit vieux. Salut. Et voilà. Crétin. Comment ça va, Claudie? Je suis crevée, toute la journée au soleil dans de l'astracan. C'est la folie de la plus lourde. Heureusement que ça paye les photos, parce qu'autrement... Ça te passionne, hein, ce que je dis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que cette tête? Il faut te faire une raison, j'en ai pas d'autre. Tais-toi, t'es trop gentil. Tu me bouleverses. Si vous me permettez d'arbitrer le conflit... Ah non, ça coûte trop cher, on connaît ça, les bons offices soviétiques. Et pour mademoiselle, ça sera? Vous buvez quoi, Claudie? Si on allait plutôt dîner, j'ai rien mangé depuis ce matin. Pas de veto. Fasten your seat belts, no smoking. Здорово, Николай. Здравствуйте, Смолов. Здравствуйте. Вы опоздали, Смолов. Что-то часто за последнее время. Заметьте, это не упрек. У вас так много друзей. С некоторой точки зрения это даже входит в ваши обязанности, не так ли? Так вот так раз. К сожалению, я здесь не затем. Превосходная техника, богатые средства, ни малейшие ошибки, ни следа. Видно специалистов. Кто обнаружил? Уборщица, к несчастью. И посчитала нужным позвонить в полицию. Пришли. В данный момент только мы трое, посол, вы, да я, знаем о важности этой кражи. Вы должны мне помочь, Смолов. S'il vous plaît, ce moustier, je vous le laisse à 40 000, mais parce que je serais heureux de le savoir chez vous. Disons 30 000, voulez-vous? Oui, un moment, réfléchissez. Mais je ne peux réfléchir aux choses qu'après les avoir faites. Vous réfléchissez trop, madame de Lursac. Je regrette.
Une pièce comme ça, je n'en suis pas en peine, vous savez. Allons, venez. Messieurs, dames. Pourquoi vous obstinez-vous à marchander? C'est un vieux plaisir, tu le sais bien. Et s'il avait accepté votre prix, qu'est-ce que vous auriez fait? Mais il ne pouvait pas accepter. Je m'y connais tout de même un peu, depuis le temps. Madame de Lursac ne refusera pas de se pencher sur cet objet unique. Exposition universelle? Sumer, madame, le point du jour de la civilisation. Tenez, mon brave, notre beau métier se meurt assassiné par les Béotiens. Mes hommages, madame. Vous n'êtes plus dans l'armée, Vigo? Chut, plus que jamais, mais l'ennemi est partout. Il faut avoir l'œil. Il y a une urgence, mon capitaine. Tu déjeunes avec nous? Mais je te dis qu'il y a une urgence, papa est là qui t'attend dans la bagnole. Ben, Sif, quand tu parles sérieusement. Bon moment, je suis désolé. Mais mon déjeuner? Je vous appelle. Madame. Allez, viens. Combien cette horreur? 10 000, madame. 5 000. C'est bien pour vous être agréable. Ah, mais je... Jean! Jean! Bonjour, mon commandant. Excusez-moi, je tentais de faire des économies à ma mère. Ça va épuisant. Quelque chose de cassé? Si l'on veut, fracturé serait le mot juste. Avancez, Gourget. Oui, un coffre-fort à l'ambassade soviétique. Par une grenelle, à l'annexe commerciale, dans le 16e, dans le bureau de l'attaché culturel. Ah, Smolov! Qu'est-ce qu'on lui a volé? Une photo d'Ulanova? Ah, mais non, je sais. Le scénario du prochain Popov. Je sais qu'il y a travaillé. Vous êtes fatigant, Gourget. Oh oui, mon commandant. Comment attends-tu? Heureusement pour nous, la femme de ménage a cru bon de téléphoner à la police. Les Russes ne se sont pas manifestés? Non, bien entendu. Alors, c'est peut-être sérieux. Je respire l'odeur énivrante de la poudre. Pas peut-être, sûrement. Et d'autant plus que nous avons quelques précisions sur les activités exactes d'Andrei Smolov, le cambriolé. Smolov, Andrei, 45 ans, né à Kiev, conseiller culturel à l'ambassade soviétique à Paris. Poste précédent, Prague, Zagreb, Pékin. Fonctionnaire irréprochable, très bien coté par ses supérieurs. Paris est son premier poste en pays non communiste? À notre connaissance, oui. Il y a plus intéressant. Il se trouve que Smolov est l'homme de confiance de l'ambassadeur. Mais il se trouve aussi que son premier métier a été le décryptage. De là à penser que ses fonctions débordent le domaine de la culture... Quand j'entends parler de culture, je tire mon revolver! En fait, toute la correspondance importante Paris-Kremlin et retour passe certainement par Smolov. Et pas seulement la correspondance diplomatique. Votre excellent Borin se servirait aussi de Smolov pour passer ses petits secrets? Oui, tout le laisse supposer. Comment l'Ursac fait-il pour vous supporter toute la journée? Une vieille faiblesse, mon commandant. L'abondant courrier de ce monsieur Smolov est chiffré, bien entendu. Pas systématiquement, mais ce qui n'est pas transmis en clair est pratiquement indéchiffrable. Ça doit faire à peu près un an, vous le savez, que nos techniciens sont sur les nouveaux codes russes. Jusqu'à présent, ça n'a rien donné de brillant. On a une idée de ce qui a pu être volé? Oui, le contenu d'un coffre, plutôt petit. Sans doute des archives récentes. De quoi intéresser n'importe qui du côté occidental, quoi. Ou n'importe qui, y compris nous. Pour peu que la chose s'ébruite, ça va faire une jolie meute derrière ces papiers. Mais il vaudrait mieux éviter la curée. Après tout, la chose se passe sur notre territoire. Et puis, nous avons la chance d'avoir été prévenus les premiers. En principe. Oui. Avancez, Crucci. Oui, mon commandant. Je peux? Si jamais on a la chance de mettre les premiers la main sur ces jolis papiers, qu'est-ce qu'on fait? On les rend à leurs propriétaires, naturellement. Ah. Peut-être pas tout de suite, non? Non, peut-être pas. Ah, jolie mentalité. Une dernière chose, messieurs. Andrei Smolov sort beaucoup depuis quelque temps. Il est amoureux d'une petite Française, Lilia Fromont. Il la trouve souvent dans un café, la belle ferronnière. C'est marrant, ça. C'est là que je passais mes journées quand j'étais à match. Et vous tournez en rond, Corotier. Oui, mon commandant, pourquoi? Arrêtez-moi là, je vous prie. J'attends de vos nouvelles, messieurs. Bonne chance. Vous aussi, mon commandant. Une seconde. Bernard, Borger est venu ce soir? Pas vu. Non, on l'a pas vu. Je vous en prie, monsieur. Sans anneau de rail.
De Stazan Andrei. Ce qui a disparu, c'est malheureusement le plus important. Le plus grave pour moi, tu comprends? Tu es sûr n'avoir jamais rien dit qui puisse... Pardonne-moi. Un interrogatoire de 6 heures, je ne savais pas ce que c'était. Tiens, Jaco, qu'est-ce que tu fous là? T'as changé de quartier? Ça m'arrive, tu prends un verre? Non, pas le temps. 5 minutes, quoi? Non, on m'attend une autre fois. Salut, Minet. Dis-moi, si des fois on a besoin de toi, t'es toujours au même endroit? Toujours, tu m'appelles quand tu veux. Je suis fidèle, moi. C'est très beau, ça. Bonjour, ma petite chérie. Il me semble que je le connais, ce type-là. Oui, il est là tout le temps. Patrick s'appelle, Patrick, je sais pas quoi. Il fait dans la voiture d'occasion. Tu sais où il habite? Vaguement, dans un hôtel. Vers le pont Cardinet, je crois. Si, si, moi je le trouve pas l'eau. Pas l'eau? Il a la tête longue comme le transsibérien. Fous-moi la paix. Mais il m'engrait. Allez, Nikita, quoi. Cache un truc qui va te faire plaisir. On l'emmène chez Samba. Qu'est-ce que c'est, Samba? C'est l'Afrique, camarade. Et l'Afrique, vous, les Ruskov, ça vous intéresse un peu, hein? Плетется рысью как-нибудь. Вот бегает дворовый мальчик, с ласки жучку посади, себя в коня преобразив, шалун уж заморозил пальчик. Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Serveur, amenez la sœur de cette orpheline. Ça te plaît l'Occident, hein, Nikita? Pas l'Occident, la France. Merci, très honoré. Tiens, voilà la communauté qui se réveille. L'enfer du tcha-tcha-tcha, c'est pour nous. Tu me la prêtes, Nikita? Faites comme... Merci, pardon. Viens, mon petit chat. Viens vite. Voilà. Excusez-moi. Like I said a long time ago, Barbara, we voted for Vice President Nixon, we wouldn't have all this trouble. You know that we have an austerity program in the United States just like any other undeveloped country in the world. You know they're taking a whip right out of Europe, and you know why? Because the American government can't pay for the damn bill. Well, laissez moi vous dire, quand sans merde, amour, mais l'on sans nos femmes. Parce que les Français, hein? Tintin. Quoi, Tintin? Tintin, tu comprends français, non? Vaya papi, vaya papi, bingo, vaya papi. Allez, on danse. Venez. Non, non, tout ça n'est pas pour Nikita. Je me vois comme je suis, vous savez. Je sais pas comment vous êtes, mais je sais comment elle vous regarde. C'est indulgente, Lilia. Parce que je me sens tout près d'elle. Je ne vois pas comme je suis loin de vous tous. C'est idiot, vous êtes comme nous. Et votre pays aussi. Quoi, c'est pas le bout du monde? Qu'est-ce qu'il a, votre pays? La neige. C'est joli. J'adore ça. Ah, vous ne savez pas ce que c'est. Et vous, vous le savez, vous? Pardon, monsieur? Mais non, vous ne savez pas. Et toi, tu sais? Et toi? Quoi? La neige. Pour vous, c'est gai. C'est joli. C'est Noël, la montagne. Mais sur toute la plaine, sur des milliers de kilomètres de plaine, toute la Russie, hein? Rien que de la neige, partout. Mais quoi, il y a bien un été chez vous, non? Non, pas d'été, jamais. Il est gai. Tu viens? Elle vient pas ce soir, mademoiselle Muriel? Oh, tu sais, Muriel, ça va, ça vient. Allez, ne faites pas le cynique. Je suis pas cynique, je suis séduisant. Quoi? Le beat, ça arrive, non? N'y pense pas. Je ne peux pas. Et s'il m'ordonnait de rentrer? J'ai peur. Non? Говорите прямо, что я раз так думаете. Если бы я действительно так думал, вас бы здесь уже не было, и вы это знаете. Это не значит, что я не перейду к этой гипотезе. Но до этого я должен рассмотреть все остальные. Оплошность, например.
выскочившие слово. Не новичок я, в других странах я проводил ту же работу. Другие страны, это мне Париж. Не станем перебирать опять все снова. Мне кажется, я вправе иметь друзей. Знаю. Ваша должность обязывает вас посещать некоторые круги. Но, кажется, вы посещаете не только одну знать. Какое отношение? Никакого, конечно. Только двое. Только два человека знали о содержании шкафа. Посол и вы. Вы обвиняете посла? Да это нелепо. Я предпочитал бы это. 12 часов. До свидания, Андрей. До свидания. Алло, Сергей. Сергей, что, ты не с нами обедаешь? И хотел бы, так есть хочется. Ну что, все-таки идешь обедать? Обожди, сейчас отчитаюсь и сразу вернусь. А вы voilà, vous. Pour toute réclamation, s'adresser au bureau du colonel. Oh, et puis je suis pas tellement en retard, quoi. Eh ben dis donc, les heures supplémentaires, ça te réussit pas. Moi, je veux bien seulement. On ne va pas dîner. Tu as du nouveau? Écoute, mon chéri, j'apprécie ta délicatesse, mais c'est vraiment pas la peine. J'allais te poser la même question. Bon, bon, je parle trop, je sais, je ne dirai plus rien. Mademoiselle Janet, chez nous, indiscrétion égale trahison, ne l'oubliez jamais. Pauvre papa, qui se donne tant de mal pour organiser ses contacts. Tout ça pour m'apprendre des choses que tu m'as dites la veille au soir. Ah non, toi qui radis. À part ça, je suppose que le colonel ne t'a pas retenu pour un bridge. Non, toujours l'affaire Werner. Mais il est bien mignon, le colonel, mais s'il trouve tous les jours un dossier ultra urgent pour garder jusqu'à 8 heures, j'aimerais bien qu'il te fiche un peu la paix, moi. S'il y a 3 ans, il m'avait fichu la paix, comme tu dis. Je serais encore à l'entresol en train de taper tes notes de frais. Je n'aurais pas pu m'installer ici. Et je ne t'aurais pas connu. Les spaghettis. Quoi, les spaghettis? Bonsoir, s'il vous plaît. Oh merde! Bonsoir, mon poulet! Mais Vigo! T'appelles! Ça y est. Ah, celui-là pour arriver quand il faut pas, il est doué. Bonsoir, mon ange. Il est là, le capitaine. Oui. Eh ben, dis donc, c'est l'orgie et vous m'avez pas attendu. Ah. Oh. Mais... Dis donc, machin, tu pourrais... Râle pas. Boulot. Et boulot urgent. Là. C'est où, là? Là. Un passant inconnu enlevé en plein jour, rue de Grenelle. Seul indice, un chapeau acheté à Moscou. Et alors? Et alors? Bah, premièrement, un chapeau acheté à Moscou, ça peut à la rigueur appartenir à un russe, non? Ça, il n'y a pas tellement de Parisiens qui achètent leur chapeau à Moscou. Bien. Deuxièmement, l'ambassade soviétique se trouve bien rue de Grenelle, tu ne le contestes pas. Tiens. Là, tiens. Troisièmement, j'ai été à la Belle Ferronnière. Ah, c'est bien ça. Oh, ça va, si, toi. C'est bien. Ça va. Ah, bon. Bernard, le barman, m'a fait son petit rapport. La môme Lily a attendu son attaché culturel pendant plus d'une heure. Et bien entendu, personne n'est venu. La petite est partie effondrée. Quatrièmement... Il y a toutes les chances pour que le kidnappé du canard réponde au joli nom d'Andrei Smolov. Mais il pense... Dans les grandes occasions, oui, ça lui arrive.
Bon, dis-moi ton Patrick Machin, là, tu sais où on le trouve? Mon Patrick Machin, comme tu dis, il s'appelle Le Moine. Il habite rue Saussure, un petit hôtel. Quand t'as le trouvé, ça... On y va. Comme ça? Comme ça, tu connais un autre lien avec Smolov, toi? À moins d'aller sonner à l'ambassade soviétique. On regarde pas. Oh. Si t'es sage, on te racontera. Vous avez de la chance, il n'est jamais là à cette heure-ci. Une seconde, je vais le prévenir. Ah bon? Vous pouvez monter. Au second, porte 5. Tout mais vite. Des ennuis? Un peu jaloux. Tournez à droite. À gauche. Col Bruy Vernet. Feu, monsieur. Désolé. Moi aussi. Bobby est là? Manard, fasse pas le chauffe. Allez, grouille-toi. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, presque rien. Avec toutes vos combines, c'est tout le monde sur le dos, moi. Je veux voir Gerlier. Qui ça, tout le monde? D'abord les Français, puis maintenant les Russes. Et qu'est-ce que t'as fait? Bah, je me suis tiré. Imbécile, hein? Qu'est-ce que tu voulais qu'il te fasse? Et puis d'abord, qu'est-ce que t'as fait dans cette histoire? Tu peux me le dire? Bah, j'aurais bien voulu t'y voir. Et les Russes, qu'est-ce que t'en as fait? Bah, je les ai semés. Ah, ils sont pas encore là, tu m'étonnes. Allez, barre-toi maintenant. Bah, où je vais coucher, moi? Où tu voudras, mais fous le camp. Je te dis que je veux voir Gerlier. Tu vas le voir. Mais je suis pas sûr que ça te plaise tellement. Allez, appelle-moi dans une heure. Continue. C'était bien votre idée de continuer à me montrer avec Smolov. Vous avez vu le résultat? Écoute, petit, je n'ai pas le temps de te faire la morale. Il y avait une seule chose à ne pas faire et tu l'as faite. Maintenant, il s'agit de recoller les morceaux. Tu vas commencer par disparaître. Et puis réapparaître le plus tard possible, de préférence quand vous aurez fait les comptes, c'est ça? J'aimerais bien t'entendre parler autrement. Oh, pardon, monsieur Gerlier. Merci, monsieur Gerlier. J'oubliais que je vous dois tout dans cette affaire. Enfin, sauf l'affaire. Qui est de moi, si j'ai bonne mémoire? Je ne sais pas avec qui tu as l'habitude de travailler, mais jusqu'à présent, ça n'a pas l'air d'avoir donné de bons résultats. De toute façon, tes mérites seront très largement reconnus. Trop aimable. Une seule condition, tu disparais immédiatement. Autrement dit, je ne suis plus dans le circuit. Non. Est-ce que j'ai droit à une explication de congé? J'ai besoin d'être libre de mes mouvements. L'affaire a grandi un peu trop vite pour toi. Ce ne sont pas des truands que nous avons devant nous, ce sont des militaires qui sont au moins aussi malins que des flics. Et les flics, j'en connais un bout. 10 ans de chaussettes à clous avec sortie par la petite porte. Je suis sûr qu'ils ne me rateraient pas. C'est pour ça que j'ai pas le droit de me tromper. Je ne veux pas être à la merci d'une imprudence commise par un petit amateur. Mais... Un petit amateur. Le miracle a déjà eu lieu. C'est que tu l'aurais vraiment échappé. On va pas tenter le diable une deuxième fois. Je me demande ce qui serait passé s'il t'avait mis la main dessus. Ça valait bien? Rien, bien entendu. Seulement dans ce cas, c'est moi qui aurais fait ma valise très vite. Ton adresse? Laquelle, j'en ai plus? Celle de l'endroit où tu as l'intention de te retirer.
Vous ne me mettez pas avec Smolov? Ça, c'est une adresse que tu vas me faire le plaisir d'oublier. File n'importe où pourvu que ce soit sûr. Inutile d'aller loin. Enferme-toi et ne sors pas. Vous m'apporterez des oranges? Marque-moi ça. Ça va durer combien de temps? Le temps qu'il me faudra pour conclure l'affaire. Pour tout vous dire, je comptais sur une rentrée rapide. C'est bien joli d'avoir les dents pointues, mais il faut que le reste suive. J'ai quand même pensé à toi. Je te ferai remarquer que je n'ai encore rien touché. Ne compte pas, il y en a moins que tu crois. Et puis moi, à ta place, je serai modeste. Hiya, Janie. Will you tell your boss I'm here? Go on in, he's waiting for you. Thanks, honey. Hiya, boss. Well, you finally got here. That guy's been telephoning me all morning. I finally had to make an appointment for you. He's waiting downstairs. What'd you find out? Get a load of this. Raoul Gerlier, 45 years old, former inspector with the vice squad, thrown out for a couple of slip-ups he made. The last 5 years, he's been mixed up in some kind of a construction racket. Well? He's the principal stockholder, among other things, of a garage that specializes in selling used cars. And who do I find working in this garage? Monsieur Patrick Lemoine. Well, 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 and well. You better go see him right away. Where am I going to find him? Under here, under there, hmm? Don't you ever listen to anything. I just finished saying I'd made an appointment for you with him. He's waiting downstairs to see you in a light-colored Diaz. Well, give me the file. You don't need it. I do need it. So long, boss. Ah. So long, honey. Damn, beatnik. Monsieur Jolier. Lui-même. Je suis ravi. Vous ne pouvez pas l'être autant que moi. Ça va mieux, cette bosse? C'est l'escalier le plus dur qu'on m'ait jamais présenté, mon commandant. J'espère, monsieur, ne pas vous apprendre que le cambriolage et la disparition de Smolov sont deux faits probablement liés. Oui, à moins, mon commandant, qu'il n'y ait là-dessous un joli coup fourré dont nous ignorons tout. Oh, c'est possible. Mais une provocation cache souvent autre chose. Et si Smolov avait choisi la liberté? Si l'enlèvement n'était qu'une mise en scène destinée à le faire passer auprès de ses compatriotes pour une victime? C'est ce que vous croyez? Non. Non. En tout cas, soyez prudent. Vous savez, les histoires de réfugiés politiques, hein? Le type même de l'affaire où l'on vous laisserait tomber immédiatement. Nous sommes confus, c'est trop. D'autre part, vos conseils ont été suivis. La petite Lilia est surveillée par nos soins. La boutique compte une nouvelle vendeuse. Qui ça? Mademoiselle Jeanne. Mais pourquoi Christine, elle n'a jamais fait ça? Ça n'a jamais été prévu. Ah, en tout cas, mon cher, elle en avait rudement envie. Par ailleurs, c'est un ordre. Elle est vendeuse là-bas depuis ce matin, comme ça, par miracle. Oui, un miracle du colonel. Vous pouvez m'arrêter là. Au revoir, messieurs. Prenez une voiture de service. Je peux pas faire attention, non? Ah, écoute, je sais que ça t'embête que Christine soit sur ce coup-là, mais c'est pas une raison pour m'engueuler. Pauvre bonhomme. Regardez-moi comme ça, l'air malheureux, ça. La voiture au pillage, ou plus? Bonjour, mon lieutenant. Tu me mets 30 litres. Mais mon capitaine, c'est pas la voiture du service. T'en fais pas, va, je te fais un joli petit bon. Ah non, 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 pas la 389, moi j'ai compris, une fois comme ah, ça, bon, ça va. Bon, on a oublié de mon téléphone dessus, c'est pas possible. Ah, elle s'arrête, celle-là, seulement contre les murs. Ah, bah voilà, tiens, c'est ma petite GG chérie, la 3000 bornes, t'es tout jeune, ça. Exactement ce qu'il faut. Je vais aller déjeuner chez ma mère. Si je reste un jour sans aller la voir, elle téléphone à tous les commissariats. Bon, bon toi, tu montes au bureau, voir ce qu'ils ont trouvé sur Patrick et ses copains. D'accord, je te retrouve là-bas. Pour le café, si tu vas assez vite. Dis donc, bonhomme, t'as pas été si mal dans cette affaire. Dans le fond, tu es un très bon collaborateur. Oui, bah, ton collaborateur, il te dit mes respects, mon colonel. Messieurs. Vous donnez celle-là ou celle-là? Oh,
Oh, j'ai beaucoup mieux, mon colonel. La 389. C'est toujours pareil. Ils disent midi et demi, et voilà. Ah là 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 là. Je l'ai bien dit à maître Giraudon, je ne veux pas de procès de servitude. Votre père me disait toujours que ça dure 50 ans. Il n'est pas encore mort de vieillesse, le père Giraudon? S'il avait dû mourir de vieillesse, ce serait fait depuis longtemps. Forcément, c'est du charbon. Les temps de monsieur ont déjeuné à l'heure. Tu iras au mariage de Thierry? Vous savez, moi, le serrer des mains dans une sacristie. Il ne fait pourtant pas un mariage idiot, celui-là. Elles sont trois sœurs, mais il paraît que le père est majoritaire à la COFIC depuis 2 ans. Pendant 10 ans, vous m'avez cité Lyoté. Un officier marié est un officier fichu. Il faudrait savoir ce que vous voulez. Moi, je ne veux rien. Tu mènes ta vie comme tu l'entends. Tiens, ton ami Vigo. Oh, mon Dieu, je parie que le café n'est pas prêt. Dis donc, je crois qu'on tient un bon truc pour notre affaire. Oui. Dans le dossier de Patrick, j'ai trouvé un type que je connais de vue. Et ils se sont rencontrés avant-hier, à la Belle Ferronnière. Comme le pauvre Patrick n'a pas beaucoup d'imagination, ni beaucoup d'amis, peut-être de ce côté-là. Entre. Faudrait faire vite. Et où on peut le trouver, ton type? Dans un bistrot, rue Ordonnée, enfin. Il paraît qu'il y va souvent. Je le trouve de plus en plus beau, moi, ce petit Vigo. Les hommages, madame. Tiens, c'est vrai que je suis beau. Dans le fond, j'y pense pas assez, ça pourrait me servir. C'est le sang corse qui parle, ça. Allez, on y va. Et le café, alors? Je suis désolé, madame, c'est de ma faute. Au revoir, maman. Monsieur? Je cherche une idée de cadeau, c'est pour une jeune femme. Au fond, monsieur. Merci. J'aimerais quelque chose de plus, brillant. Celui-là ne vous plaît pas? Oh, il ne va pas très bien, mon teint. Et comme je ne peux pas changer de teint. Et celui-là? Tiens, j'ai acheté le même à Bermuda. Nous exportons beaucoup. Ah oui? Et ça? Ça va très bien avec mon teint. Mais pas du tout avec ma robe. Croyez bien que je ne suis ici que parce qu'il me l'a expressément demandé. Mais qui êtes-vous, monsieur? Qui me prouve? J'y ai pensé. Il ne s'en sépare jamais, vous le savez. Ah, non. Peut-être. J'aurais plus de chance avec des gants. Pouvez-vous me les montrer? Mais certainement. Merci. Il y a longtemps qu'il en avait l'intention. Mais il ne m'en a jamais parlé. Même à vous, il n'avait pas le droit. Le cambriolage a simplement précipité les choses. Combien ceci? 15 000, monsieur. Oh, ça fait beaucoup. Ne pouvez plus attendre, vous comprenez? Mais l'enlèvement, les journaux? Simple précaution au cas où un jour il se retrouve en face des autres. Voilà, madame. Oh, they're lovely. Non, il ne quittera pas la France sans vous. C'est justement pour ça que je suis là. C'est ce qu'il m'a chargé de vous dire. Vous devez vous tenir prête. Mais il faut que je le voie. Impossible. Pas tout de suite. C'est pour lui une question de vie ou de mort. N'oubliez pas ça. Je pense à celui-là. Bien, monsieur. C'est le même. Je le vois tout à l'heure. Que dois-je lui dire? Il partirait quand il le voudra. Il le sait bien. Ah oui. Tenez, monsieur, le voilà, votre coup de fil. Vous le prenez à la cabine? Non, merci. Allô? Oui? Oui. Ah bon? Bon, merci. Je t'embrasse. Au revoir. Feu vert. Ça nous fait combien? Une demi-heure. Elle commence à peine à dîner. Pourvu qu'elle ait de l'appétit. Alors, ça vient, oui. Oh, bah tiens, essaye, toi. On aurait sa dignité. Bon, allez, grouille. Mais qu'est-ce qu'elle fiche? Oh, pardon. Allez, vas-y. Oui. Bien.
y arrive. Elle n'a presque rien mangé. Ah, c'est bien notre veine. Oh, le beau chapeau. Troïka de Dioronov. C'est ça, fait l'andouille, on a tout le temps. Oh, bah alors. Dans le temps, j'ai l'impression qu'on n'en aura pas besoin, regarde. Ah, ils ont été avec un bulldozer. Oh. Quelqu'un a eu la même idée que nous, mais avant. Allez, viens. S'il vous plaît, messieurs, ne levez pas les mains. Nous avons là une voiture plus confortable. Eh ben, si ça continue, on va pouvoir se tutoyer. Tiens, regarde, ma petite copine. C'est moins 5. Inutile de vous dire, monsieur de Lursac, que je suis navré d'avoir utilisé ce genre de procédé. Pour le diplomate que vous prétendez être, ce serait un peu désinvolte. Mais pour l'officier du Rasviet Group que vous êtes, c'est dans la logique des choses, monsieur Borgnine. Vous savez qui je suis? Je vois que vous êtes aussi renseigné que votre réputation le prétend. Napravo. Vous avez contraint Smolov à vous suivre. C'est assez maladroit. Vous savez très bien que Smolov n'est pas entre nos mains. Votre intermédiaire prétend le contraire. Notre quoi? Monsieur Patrick Lemoine. Je croyais que vous connaissiez nos services. Vous nous confondez avec ce genre de petits voyous, ce despot. Comment avez-vous fait sa connaissance? Nous l'avons invité pour quelque temps. Vous n'aurez pas de mal à le faire parler, profitez-en. Il vous dira la vérité. Il nous l'a déjà dite. Elle ne ressemble pas à la vôtre. Mais si nous avions Smolov, pensez-vous que nous irions fouiller chez la petite Léa? Vous nous croyez bien mal organisés. Vous êtes habile, mon cher. C'est un plaisir. Napravo. Canaille. Borgnine, dites-moi ce que veut dire tout ça. Que voulez-vous de nous? Nous cherchons Smolov. Si c'est un traître, nous devons le juger. Si c'est une victime, notre devoir est de l'aider. En tout cas, c'est un citoyen soviétique. Il nous faut le retrouver. Vous devriez réfléchir. Vous verriez peut-être que votre activité s'exerce mal à propos. De toute façon, là où nous allons, nous pourrons en discuter. Ça va? Et toi? Mais ça me brûle, mais je crois que c'est rien. Et Borgnine? Ça, je l'ai pas vu. Jean! Jean! Borgnine. Faites un effort vite. Alors, venez.
Vous n'êtes pas blessé? Non, ça va un peu secouer. L'URSSAC! L'URSSAC! Je t'expliquerai, on peut coucher le petit? C'est grave? C'est surtout con. Oh là là, ça souffle, ça, vous savez. Oh, ça va. Moi, j'appelle le toupie. Pauvre Minet, où es-tu, bobo? Oh, au cœur, hélas. Tiens, pour une fois, le châtiment de Dieu. Tu souffres? Oh oui, madame. J'ai dit au cœur. Ah bon? Mademoiselle Jeanne. Jeanne. Merde. C'est pour au point leur minuterie. Ah, rien de pour une bonne petite allumette. Minuterie. Minuterie. Tiens, sonnerie, curieux. Ah, l'URSSAC. Vous me rappelez une fille que j'ai connue à New York. Aïe. Très drôle. Alors, vous continuez, messieurs, à vous battre la nuit. La guerre des ombres. Où est-il, monsieur Corucci? Là. Bon. Bonjour, docteur. Hé! Hey, je souffre! Bon, allez, voyons ça. Mais c'est propre tout ça. C'est joli tout plein. Où avez-vous attrapé ça? Après un clou? Non, après un russe. Il visait mal. Mais il visait pas du tout, ça lui a échappé. Ah, ces gens sont d'une indélicatesse. Aïe, aïe, aïe! Bah, on serait douillé par hasard? Bon, au fond, j'ai rien à faire ici. Mademoiselle Jeanne vous fera le pansement. Tenez, prenez ça. Ça vous permettra de passer une bonne nuit. Et demain, vous pourrez retourner jouer avec vos petits camarades. Oh. Messieurs, ciao. Ah, j'oubliais. Vous m'avez demandé de vous apporter ceci. Il y a un fouillis là-dedans. Voilà. Non. Bon. Voilà. Ça, ça vous intéresse pas, non? Bon. Bon, allez, ciao. L'Américaine vous réclame, elle veut voir les bas. Et bien serré. C'est pas pour vous conseiller, mais 4 cafés, vous savez, le cœur. Vous en faites pas, j'ai pas de cœur. Tenez, le voilà, monsieur Jacot. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Monsieur? J'aurais besoin de voir d'urgence votre ami Patrick. Ah, je ne suis pas chargé de le surveiller, vous savez. Vous n'avez pas une petite idée de l'endroit où je pourrais le trouver, non? Peut-être dans son quartier. J'en viens. Alors, excusez-moi. Il y a longtemps que vous l'avez vu? Je sais pas, peut-être un an. Et il y a 3 jours à la Belle Ferronnière. C'était il y a un an? Si vous avez des choses à régler, faire ça dehors.
Allô, oui, allô, oui. Hein? Ne quittez pas. C'est pour vous. Sois pas idiot, fais voir. Désolé, mais ça m'a tout l'air d'être cassé. Dépêche-toi un peu, on va te chercher un toubib. Dépêchez-vous, j'ai mal. Patrick, tu l'as vu quand? Mais je me fous, Patrick. J'ai mal, vous comprenez? J'ai mal. Réponds gentiment au lieu de gueuler. Où l'as-tu caché? De toute façon, on sait que c'est toi. Que vous êtes salaud de m'avoir fait ça. Remonte-la vite. L'adresse de Patrick. C'est un interrogatoire. Ne me force pas à recommencer, on te lâchera pas. Allons. Il est venu me demander une chambre, j'ai un copain qui a un hôtel, alors. Où ça? Près du bistrot, si t'es nolé. Eh ben, tu vois. Tu entres, tu demandes un toubib, tu racontes que t'es tombé, un accident, enfin n'importe quoi. Pour Patrick, je voudrais pas d'emmerdement. Si je peux vous rendre un autre service, je suis bien vu à la PJ, vous savez. Ça m'étonne pas. Allez. Allez, quoi, emmène-moi. T'as aucune chance, t'as pas la classe internationale. Oui, oh ben, c'est pas la vie de ta mère. Hein. C'est une femme honnête, elle n'y connaît rien. On appelle le bureau qu'il vérifie l'adresse de Patrick et qu'il mette un type dessus. Allez, file. Oh. Je voudrais... Nein, Fräulein, wollen Sie mir bitte eine Krawatte zeigen? Par ici, monsieur. Ach, vielen Dank. Ach, Fräulein, bitte, hätten Sie eine Krawatte? And is dieser hier? Sie tragen aber ganz und gar nicht den Stil der Krawatte, die Ihnen passt. Quel vote t'avoir mis sur cette affaire. Ah, tu ne trouves pas ça plus agréable que le bureau? Oh non, tu n'espères pas me faire mettre ça. Mais si. Tu as tort, tu sais, avec tes cravates de diplomate. Und die betreffende der Person? Hinter dir recht. S'embête pas, Smolov. Un type est venu tout à l'heure, il n'avait pas l'air d'un client. Il lui a remis une enveloppe. Könntest du nicht sehen, was das war? J'ai été regardé dans le sac de Lilia après. Alors? Rien d'intéressant. Comment était le type? Gros, une sale tête. Nein, das ist wirklich auch nicht. Haben Sie nicht was anderes? Eine Krawatte de Paris? Nein? Ich musste heute Abend mit Bigot einen Sprung zu Lilia machen. Das wird uns beinahe eine halbe Stunde nehmen. Warum gehen Sie nicht sofort hin? C'est ça, oui. Avec un joli petit mandat de perquisition. Ou une pince Monseigneur en plein jour. Sonnez de la concierge, quoi. Heute Abend gehen wir heimlich hin. Nous allons faire un petit tour chez elle pendant que tu la surveilleras. Mm. Tu nous appelleras vers 20h30 aux fontaines. Nein, wirklich nicht, mademoiselle. Mais d'oser, au revoir, je prie. Ce n'est pas celle que vous avez choisie, mais je suis certaine qu'elle plaira à votre femme. Il devait me téléphoner ici. Tu verras ce que je te dis. Oui, et toi aussi. Tu seras là, toi? Bon, alors comment savoir? Écoute, Bobby, ton gérier, je commence à en avoir assez, tu comprends? C'est trop facile, on pique les idées des autres, on décide, on commande, et puis si ça se trouve, on se tire avec le paquet. Mais parfaitement, je lui dirais. Et en pleine figure, encore. Et puis si râle, tu casses la gueule.
سيطم سليشتا يرنا نالا بسكري Votre intérêt est de parler, monsieur Lemoyne. De toute façon, c'est ce que vous ferez à un moment ou à un autre. Vous le savez bien. Здесь ничего не видит. Смотри. Помер, сестра. Взять его с собой? Да. Merci, grand-père. Je suis désolé, vous n'êtes pas blessé au moins. Allez, ça va, vous fatiguez pas. Bien joué. Ça va. Vous n'allez pas encore m'enlever, non? Comment va votre ami? Désolé pour vous, mais il pourra encore servir. Vous êtes venu me dire quoi? Hier soir, les circonstances n'ont pas été très favorables à une conversation. Surtout la conversation à laquelle vous espériez nous convier. C'est pourquoi ce matin, j'essaie de m'y prendre autrement. J'ai réfléchi, l'Ursac. Hier soir, vous m'avez accusé de faire fausse route. Ensuite, vous avez agi comme... comme un ennemi n'agirait pas. Oh, ennemi, c'est peut-être plus compliqué que ça, non? Justement. Si vous aviez vraiment enlevé Smolov, vous aviez une magnifique occasion de laisser les circonstances vous débarrasser de moi. Je suis venu vous proposer une petite association. Provisoire. Voilà. Dans une heure à peu près, ça dépend de vous, Monsieur Patrick Lemoyne va s'évader. Il ne le sait pas encore. Comme il est complètement affolé, bon, rassurez-vous, nous l'avons traité avec gentillesse, mais il n'y a rien à faire, nous faisons peur à tout le monde. Donc, dans son affolement, il risque de commettre une sottise. Voilà. Merci. Pardon. Et vous espérez que Patrick va vous conduire à Smolov? Qu'il va nous conduire, oui, peut-être, avec un peu de chance. Et je suis de l'expédition? Oui, je ne peux pas risquer de me trouver en faute devant la police française. On ne sait pas ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Il me faut une couverture, une sorte de témoin de moralité. Vous êtes trop intelligent pour être de bonne foi. Dites plutôt que vous tenez à m'avoir près de vous pour mieux me surveiller. Surtout au cas où je mettrai avant vous la main sur certains papiers. Je veux croire que ces papiers ne vous intéressent pas. Sinon, pour me les rendre. Ben voyons. Maurice! Maurice, Bobby est là? Tu es? À la case, boulevard de Reims. Bobby est là? Pourquoi tu peux rester là-bas? Et Smolov, où est-il? Pourquoi vous l'avez changé de plan? Il n'y avait pas assez de confort ici? Où est-il? Mais comment veux-tu que je sache? Te fatigue pas, va. Il se méfie de moi depuis le début, ton Gerlier. Seulement, malheureusement pour lui, vient de m'arriver une petite aventure qui m'a fait comprendre que l'affaire est drôlement importante. Une petite aventure? Bah, je t'expliquerai. En tous les cas, ça vaut un peu plus que les 100 billets qu'il m'a donnés. T'as eu quelque chose, toi? Non, rien. Encore. Bah, tu peux toujours attendre. Il est en train de nous posséder bien comme il faut, hein. Posséder? Bah, je vais te faire un dessin. Bouge pas surtout, je fais une petite course et j'arrive.
Bizarre, bizarre. On aurait peut-être pu penser plus tôt. Appelle Christine vite. Allô? Ah, c'est toi, ma jolie. Comment va ton bobo? Bon, dis donc, on vient d'en apprendre une belle, on est devant chez Lilia. Ouais. Et qui c'est qui vient d'entrer chez Lilia? Qui c'est? Mais je ne sais pas, moi. Oh, tu m'agaces. Quoi? Parfaitement. Alors, ordre du capitaine. Ne pas lâcher la môme d'une semelle. Oui, elle pèse peut-être plus lourd qu'on l'imaginait. Sur ce salut beauté, je t'embrasse. Snap it up. There you are, I just finished. Don't knock yourself out, Sammy. You want me to quit? For the time being, yeah. Extension 44, please. Okay, if I turn in now. Go ahead. Miss Kendall, Tony here. Tell Craig I'm coming in. 50 guys working night and day for 6 months to come up with this answer. Washington? Yeah, we're going backwards fast. But one thing's certain, those documents are absolutely authentic. Come in. Anything new? Yeah, Sammy's got a headache. Can I give the samples back or aren't the photos ready yet? Photos? Oh, yeah. Thanks. What do we do? We return the papers to Gerlier and tell him his merchandise doesn't interest us. What? Are you out of your mind? We can't pass up this kind of an opportunity. Well, that's what we're going to do. Unless, of course, our caller can get a hold of that little formula that, along with the documents, will tell us how to use them. Without that little formula, the documents are worthless. Or almost. Well, how high do you think I can go? I'll check on that. If Gerlier starts to back down, you can go a little higher than we figured on originally. The thing's reasonably worth, $200,000. $200,000? I think I'll sit down if you don't mind. Il faut faire très vite, Monsieur Gerlier. Nos services ne maintiendront pas longtemps une offre aussi importante. Songez que nos amis de derrière la rue de l'affaire vont prendre les dispositions nécessaires pour changer les chiffres. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pourquoi nous sommes pressés. Si nous avions, dès maintenant, cette clé qui nous manque, nous pourrions, pour quelque temps encore, ouvrir des portes qui passionnent mes supérieurs. J'imagine que vous pourriez aussi décoder, même après coup, tout ce que vos postes d'écoute ont intercepté depuis quelque temps. Je vois que vous êtes renseigné. Bravo. En tout cas, puisque votre ami a préféré le monde occidental, il n'a aucune raison de ne pas nous aider. C'est en effet un raisonnement qu'il devrait comprendre. Je vais lui en faire part. Il veut partir le plus vite possible. J'ai tout ce qu'il faut comme papier. Pour vous aussi. Et de l'argent. Sans argent, vous savez, les grands départs. Je peux téléphoner. À qui? À une amie. Je m'autant pas. Mais où allons-nous? D'abord dans un petit hôtel pas loin de Paris. C'est là qu'il nous rejoindra. Qui est-ce? Une nouvelle vendeuse. Nouvelle? Elle est là depuis 2 jours. Dépêchez-vous, je vous attends un peu plus loin dans ma voiture. Une déesse. Несчастье, ну и влепят нам. Полно легавых в этой стране. Месье, папье. Il y a un client, monsieur Horry. Merde! On n'est pas là. C'est formidable quand même que tu veuilles pas faire entrer ça dans ta tête. Oh, puis après tout, je m'en fous. On sera brisé sur toute la ligne et puis voilà. Mais qu'est-ce qui va aller toucher le fric, hein? Qui, lui tout seul, tu comprends? Il t'a peut-être demandé de l'accompagner? Non. Bon, alors? Comment tu connaîtras la somme qui va palper? Il empochera le tout et puis se tirera avec. On est là, quoi? On est là. On est où, bougre d'andouille? Tu peux courir après Gerlier, toi? Tu connais son adresse? Non. Tiens, c'est marrant. Même Bobby l'appelle dans un café.
Ah la vache, dis donc. Ah, alors tu vois? Attends. Je sais peut-être pas où est Gerlier, mais je sais où est Smoloff. C'est moi qui l'ai amené là-bas avec René. Bah viens! Je peux prendre les bagages, mademoiselle? Oui, dans la malle, une valise bleue. Bien, monsieur. J'ai pensé à ça. Voilà. Merci. Le 14, premier. De ne pas bouger. C'est promis. J'aurai peut-être besoin de vous téléphoner. Vous pourrez lui parler. Pourquoi ne pas lui parler tout de suite? Vous comprendrez plus tard. Ne sortez pas surtout sous aucun prétexte. Entrez. Posez-la sur le lit. Bien, mademoiselle. Merci, monsieur. Mademoiselle Fromont, vous voulez partir déjà? Vous venez d'arriver. Un peu de patience. C'est par Bobby qu'il a besoin de Lilia, c'est tout. Qu'est-ce que tu dis? Je sais que Gerlier a besoin de Lilia. Voilà, c'est par Bobby. De Lilia? Pourquoi Lilia? On peut dire qu'il a confiance en toi. T'es informé, ça fait peur. Pauvre cloche, moi. En tout cas, je sais que ce matin, il avait l'intention d'amener la petite dans un hôtel, pas loin de la ferme de René. Comment t'es au courant? Bobby est là-bas, c'est lui qui a tout préparé. Il m'a dit de l'appeler s'il y avait quelque chose. T'as le téléphone? Dis donc, il commence à coller le type à la 403. Appuie un peu. Birlet, Lursac. J'ai l'impression que nous sommes un peu voyants. Je lâche à la première occasion. Prenez le relais. Arrête-toi là, on va voir.
Ça va. Alors? Je sors un peu. Vas-y. René! C'est pas bientôt fini, la pension de famille. Ça fait un peu long, tu trouves pas? Il termine son affaire quand, Gerlier? Je sais pas, moi, ça me regarde pas. Mais ça te fait plaisir de prendre ce genre de risque pour un truc qui te regarde pas? Toi, pour les copains, t'es vraiment... Gerlier n'est pas un copain, tu le sais. Et c'est plus important. Où on en serait sans lui? Oui, je sais. Pourquoi tu lui fais pas une statue, alors? Tu le fleurirais tous les matins. Tu me rejoins? Mais je peux pas, il a besoin de moi. T'as peur de perdre la main? Tu t'entraînes? Travailler pour toi, je commence à avoir l'habitude. C'est ça qui est important pour toi. Savoir ce qu'ils pensent, eux. Mais qu'est-ce que tu espères leur prouver? Que tu es innocente? Que tu n'y es pour rien? Si tout va bien, ça te vaudra un bel avancement. Un joli petit poste dans la neige derrière l'Oural. C'est ça que tu veux? Mais oui, c'est ce qu'il veut, monsieur l'attaché culturel. Et puis là-bas, il aura tout le temps d'évoquer Paris, la grande vie. Les petites vendeuses. C'est drôle, je me suis trompé pour Lilia. Je croyais qu'elle comptait. Enfin, il fallait compter avec elle. J'ai même pris la liberté de la faire venir. Je suis désolé. Fausse joie. Non, elle n'est tout de même pas là. Elle n'est pas loin, remarque. Il y a là un instrument qu'on appelle téléphone. Tu connais? Je décroche. Je demande un numéro. Non, merci, mademoiselle, pas tout de suite. Et tu peux lui parler toi-même. Elle est à 10 minutes d'ici. Elle est prête à te suivre où tu voudras. Tu ne t'occupes de rien. L'argent, les papiers, je m'en charge. En 2 jours, tu auras tout ce qu'il te faut. Et toi, tu griffonnes sur cette feuille. Venez voir ce qui nous arrive. Oh, tiens, allez, j'arrive. C'est encore moi. Donnez-moi le 5 à Clairvoix, s'il vous plaît. Tu vas entendre sa voix. Ça te fera peut-être comprendre. Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Une belle ordure, ton Gerlier. Ah, monsieur ne veut pas le recevoir. Monsieur a l'autre projet, sans doute. Qu'est-ce qu'il y a? Ta gueule! T'as vu quelque chose? C'est pas un type, il me semble. Des salauds! Mais quoi? Mais t'es fou, non? Imbécile, tu veux prendre 20 ans? Pas loin, vous savez. N'ayez pas peur, je connais mon code pénal. Oui, c'était lui ici, toute la ferme.
Et puis avec le casier judiciaire qu'il a, il sera vite ramassé. Tiens-lui compagnie. Nous n'avons pas le plaisir de nous connaître. Gerlier Raoul. Enchanté, Grouchy. Il y a longtemps que vous êtes dans le métier? Smolov, прошу вас, сделайте усилие. Вы ничего не сказали. Ответьте. Смолов. Вилья. Je crois savoir, messieurs, que vous êtes venus ici dans un but précis. Je ne voudrais pas vous faire attendre plus longtemps. Puis-je? Vous avez trouvé sur moi une clé. Auriez-vous l'obligeance de me la rendre, provisoirement? Voilà. Vous ne m'en voudrez pas de les restituer à leur propriétaire légitime. Le geste est si élégant. Et puis, dans ma situation, il ne coûte rien. Ceci dit, si vous voulez recommencer votre petite guerre, n'ayez aucun regret. Vous n'auriez pas réussi à déchiffrer ces papiers. D'autres s'y sont déjà cassés le nez. Messieurs. Appelle le bureau. Regardez ça. Il tire, c'est tout ce qu'il sait faire. Il tire, il ne sait même pas pourquoi. Drôle de gens. Là, je vous en prie, pas de regret, ça ne m'intéresse pas. Soyez sûr que je ne regrette que mon échec. Et qu'il ait abouti à ça, ça n'était vraiment pas nécessaire. Assez. Il y a peut-être une chose qui vous intéressera. Vous connaissez la loi de 86, article 10. Je ne suis pas juriste. C'est une petite prime à la délation. En matière d'espionnage, la dénonciation des complices donne droit aux circonstances atténuantes. Vous me permettrez d'en demander le bénéfice. Je regrette d'avoir accepté. Ne soyez pas trop scrupuleux. Laissez-moi vous guider, je vous promets un joli coup de filet. Jean! Qu'est-ce qu'il y a? Justine a eu un accident. Un accident? La route de Tillier, pas loin d'ici. Elle suivait le type, là. Gerlier. Mais comment il l'ont su au bureau? On l'a retrouvée une heure après. Elle a pu les faire prévenir. Elle a pu? Hein? Mais alors, c'est sérieux? Je sais pas, moi, ils m'ont pas dit grand-chose. Qu'est-ce qu'on a comme voiture? Bah tiens, prends la déesse de Gerlier. On va avec lui, dépêche-toi. C'est pas le moment de t'écrouler, tu sais. C'est le salaud qui m'avait promis. Mais promis quoi, mon pauvre chéri? Maurice a fait le coup, il a tiré, j'y peux rien. Mais pourquoi? Oh, écoute, tu vas pas continuer à chialer sur ton russe, hein, fallait y penser avant. Allez hop, si jamais les autres s'amènent, on est jolis. C'est payé, je sais, merci. Vas-y, fonce. Mademoiselle, si vous voulez bien.
le bracelet? Oui. Alors, vas-y. Fort. Oui. Il paraît qu'il nous manque un client. Alors fais le tour de l'hôtel et ramène la Beaulieu. Pendant ce temps-là, moi je m'occupe de tout ce petit monde-là. Hein? Non. Ouais. Allez, allez. C'est pas beau, la famille? Oh bon, ah ben, un grand type. J'ai mis un certain temps à m'en rendre compte. Il m'a fallu la perquisition chez mademoiselle. Vous ne m'en voudrez pas de vous avoir un peu précédé. Mais comment, voyons? J'ai trouvé quelques photos et quelques lettres qui ne laissaient aucun doute sur les rapports de ces deux enfants. Pour Smoloff, avec ses confidences. On vient seulement de la dégager. Elle est intransportable. Les gens? Oh. Ils ne peuvent à peu près plus rien pour elle. Ils l'admirent. Vous avez pu avoir les autres? Une justesse. Sauf un, le patron du garage. Alors? L'idée vient de la petite Lilia. Elle était bien amoureuse, mais pas de Smoloff. De Patrick? Oui. Dès qu'ils ont compris que le riche représentait un certain capital, ils ont agi en conséquence. Lilia avec des arguments personnels. Et Patrick avec ses relations. Joli résultat. Euh,